Premier bagage, l'évangile s'est produit dans la vie. C'est ça que cet esprit produit dans la vie de tout pécheur. Premier contact cet esprit produit dans la vie de tout pécheur, c'est la conviction du péché. Et la conviction du péché conduit à la repentance. Moi je suis dans ma skin. Did you ever come to God and say, have mercy on me, I am a sinner? When was the last time you did that? When was the last time you called to him and said, just as I am no good? Just like Isaiah who saw the holiness of God, I am no good and I live among people whose lives are filthy. That's true repentance. When you truly repent, you don't make excuse for your sin. You don't compare yourself to anybody. You compare yourself to the holiness of God and you fall on your face and you say, I am a sinner, have mercy on me. When was the last time you did that? If you never did that, you are not saved. You may have a rank in the church. You may be doing a lot of things in the church, but you are not saved if you never repented for your sin. Because the first thing that the Holy Spirit does is producing conviction. Il produit la conviction du péché. Et qui ça le Saint-Esprit fait? De la justice. Il parle de la justice de Dieu. Et l'autre bagage qu'elle produit, c'est le jugement de Dieu. Et n'est pas pécheur qui fait face à trois bagages ici là-bas. Il ne va même qu'à lever les yeux. Il ne va même qu'à lever les yeux. Il tombe sur le dos. Seigneur, pitié de moi. Quand je suis au péché. Si n'a toléré, n'a dit au bagage pour faire aussi dire bien. L'heure nous prêcher le vrai évangile. Tout d'abord, elle nous embrasser le vrai évangile. Elle nous vivre le vrai évangile. Qui va produire la conviction envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Nous va porter l'évangile si là-bas l'autre dehors. Il va laisser un convaincu par le Saint-Esprit. Il va même tout, il va tomber avant nous. Il va repentir et va mettre foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Bon Dieu va pardonner mes péchés. Il va vivre la vie éternelle. Il va marcher avec Dieu. Le ça, nous va connaître nos frères.